Vieillesse vacillante et triste ou fréative, l'une d'elles doit donc m'atteindre sûrement. Et je me sens le cœur pris d'épouvantement, à songer qu'il faudrait que je meure ou je vive. Fantômes dont chacun à mon côté se rive, ces deux destins me font horreur également, tous deux étant l'atroce et lent dépouillement, qui nous prend mort, ou bien même la chair vive. N'existe-t-il aucun refuge où s'échapper, de l'épaule où pleurer, de la porte où frapper, quand le cœur est tordu par la détresse noire? Être et ne pas savoir ce qu'on est, ni pourquoi. L'angoisse d'exister quand le suprême effroi, peut-être, est au bout du chemin. Croire. Oh, croire.